Donc, on supplément des dossiers qu'il a déjà pour ISO. L'affaire de 8 ou 12 mars qui était passée là, dossier sa cabinet d'instruction, certainement. Et m'a boué comme supplément d'informations contre ISO et ses bandes, et ses groupes, ses acolytes. Donc, maintenant, tout ça nous sommes en météo sous forme de procès-verbaux. Et nous prenons le voile par devant le cabinet d'instruction comme supplément d'informations. Et nous avons tout saisi le cabinet d'instruction. L'article 40 de la loi portant statut et création de la magistrature de 2007. Lui stipule que le commissaire du gouvernement peut rendre public toute poursuite pénale à faire contre un monde quelconque. Donc c'est dans 4 ans, chita sous article 40 loi pour me dire que moi pour le voir dossier sa cabinet d'instruction comme supplément d'information contre l'ISO et ses accords. Je ne suis pas un commissaire de police. Je le réitère pour tout le monde qui veut l'entendre. Je ne suis pas un commissaire de police, encore moins un préfet. Je suis un commissaire du gouvernement, mandaté, placé pour conduire la politique pénale du gouvernement. En cela, je ne pas moi-même pour me poser des âmes dans le mal attaquer bandit. Mais bandit n'a pas le droit de citer dans ma juridiction, côté ma conduit, côté ma dirigé comme chef de juridiction. Je n'ai pas tiré attention sur l'opinion publique. Là. Que je crois que tu as arrêté qui te prend par l'ancien président, le feu président Jovenel Moïse, qui t'a déclaré en bas zone rouge. D'accord, même? Donc, on président déclaré zone rouge, ils sont extrêmement graves. Donc, aucune institution pas traitée en bas encore que le parquet. D'accord? Donc, c'est-à-dire, le parquet était déjà dans l'œil du cyclone. Et que ça là, il était un bagaille qui était annoncé et lamentablement que Négotabine frappé nous. Mais malheureusement, pour nous-mêmes, nous sortir la vie sauve, Dieu nous a sauvé la vie. On t'a écrit d'abord depuis le 10, le jour où ces événements se sont produits au tribunal de première instance de Port-au-Prince, j'avais écrit au directeur départemental DDOS 1 pour lui demander de prendre toutes les dispositions pour sécuriser le bâtiment logeant le tribunal de premier instance de Port-au-Prince. En date du 10/06/2022, en manuscrit, parce que c'était le soir, je n'ai absolument rien comme matériel de travail. Je suis là, carrément, et ouais, recevoir le mot, accusé de réception, d'accord? Je dit pour sécuriser le bâtiment, parce que de cette attaque, un gardien est sorti blessé et 4 véhicules appartenant au substitut du commissaire du gouvernement sont encore gardés sur la cour du palais de justice. Maintenant, et deuxième correspondance adressée au directeur départemental, c'est en date du 15/06/2022. Cette correspondance est publique parce qu'elle était virale sur les réseaux sociaux. Et me demandait lui pour accompagner moi, pour mal dresser constat des dégâts enregistrés et récupérer ce que je pouvais récupérer comme matériel de travail. D'accord ? Et jusqu'à date, aucune réponse. Pas encore ben moins. Mais alors, la police nationale sont institutions qui hiérarchisées. Donc certainement, il y a fait préparation, mise en place, pour qu'ils soient capables de répondre moins par rapport à la correspondance. Voilà, c'est tout. Dans la nuance, commissaire gouvernement, pas trop pressant, que tu as défini qui ça comme commissaire gouvernement chef poursuite. Pour ça, pas fait, pas exemple de critique concernant les citoyens, surtout dans nos situations spéciales. Tant que Jean-Port-au-Prince et Seine là, à Kangang, et pour un commissaire gouvernement, pratiquement pas jamais traité dossier ça. Mais qu'on est là, est-ce que le commissaire gouvernement a versé dans l'autre extrême, dans tout, et parce que l'a traité dossier ça, et puis c'est lui-même qui pral exécuter moun, et donc c'est deux, nous gagnons tous les deux devant nous là, je dis, donc, commissaire gouvernement, et Port-au-Prince qui t'a parlé, Jacques Lafontaine, commissaire AI, c'est la seule autorité dans l'État qui toujours a parlé de dossier ça qui passait dans Bicentenaire, puisque après, il y a une allusion ministre Justice et Sécurité publique, là, et Maître Berthodor s'était fait dans l'occasion fête la police, non, qui c'était 12 juin, qui se passait là 2 jours après l'attaque là. Et pratiquement par une autorité qui parlait de dossier ça encore son dossier qui déjà fermé son adieu Lisbonne. Pendant ce temps ça est-ce que vous pourrez parler de ça qui a passé parce que faut que nous samedi et selon tweet il était metté sur compte Twitter n'a parlé de Ariel Henry il était en réunion et il a posé problème inondation dans Gonaïves c'est très important saison cyclonique c'est très important mais par un tweet il était bail sur ça qui était passé dans Bicentenaire, dans le palais de justice, non, ni tout, par exemple, un tweet prévention autorité par rapport à ultimatum et la veille, il était joint dans même l'autre chef gang, pas de gagner sous ça, donc c'est pas préoccupation et gouvernement et de facto ça qu'il a.
Justement, gagné un ancien ministre, Luc Mandéril, nous connaît été la terre. Et d'après ça qui dit, c'est pour Jean Devlé alcoolté ak gang yo. Li pas caché tête chargée pour Jean gang criminel yo, a plaité ko yap simen la terreur, embagé tout monde qui dit a diriger pays. Et ça le dénoncer dans interview ça le bay radio qu'est-ce qu'il y a ancien ministre justice et sécurité publique Jovenel Moïse ak Joseph Jout te mette à tel elle te dit après passer à l'action contre gang yo met Luc Mandéril dit li saisi ouais Jean chef gang torsel là et ça le dit à li fel et malgré li te bay autorité yo ultimatum pa gen rien qui fait pour empêcher di faire dégâts d'ailleurs gang pile moun nan torsel nan tabar nan pernier et gang entre la caillou piller caillou gen moun yo rive sauver c'est de justesse et faut que nous di nous compte de qui ça n'a parlé parce que nous gen plusieurs collaborateurs nous et plusieurs confrères ak consœur nous qui a vive nan zone sa yo met Delil dénoncer cocodaille autorité ak bandi ancien ministre de la sécurité publique Jovenel Moïse lan condamné attaque gang criminel yo fait sous palais de justice non en toute impunité d'après lui-même qui gagne plus dimension passé une simple attaque bandi a fait comme ça dans la rue n'attendez ancien ministre justice et maître Luc Mandéril dans micro Vladimir Maurice Ridoy son bac extrêmement grave Vladimir côté mis à l'étranger au niveau du Canada pour le moment sur situation ça m'a regardé là que situation pourrie l'état totalement effondré c'est théorie c'est gang qui a fait la